Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on fait une vidéo sur comment faire un scav sur Factory. Donc vous allez voir, c'est complètement aléatoire par rapport au loot qui va rester, par rapport aux morts qu'il va y avoir, et par rapport à l'interchange, il va falloir vraiment ramasser tout ce que vous trouvez. Il va falloir calculer le slot par rapport à l'apport rouble qu'il peut y avoir. Et vu qu'il n'y a pas grand-chose à looter sur Factory, eh ben faut principalement jouer sur la chance. Donc là on va essayer de faire un scav entre 3 et 5 minutes sur la map, et au moins de ressortir avec 200 000, 250 000 roubles. C'est pas forcément la chance tout le temps, mais on va faire notre mieux. En tout cas, je vais vous montrer un peu les spots. Donc ça va dépendre de votre spawn, du fight, de ce qui a été looté, etc. Donc je vous conseille surtout de vous mettre en serveur Europe quand vous faites ça, parce que déjà d'une, ça va pop beaucoup plus vite. Vous voyez, je suis à 1 minute 35. Et de deux, et ben en fait, il y aura plus de combats, plus de joueurs, et donc plus de trucs à looter. Donc là, il me reste 16 minutes, donc il reste encore pas mal de temps. Là, j'ai spawné au niveau de la nouvelle zone, la dernière zone connue de Factory. Donc là, on peut looter un peu. Voilà. Là, pareil, hein, je vais faire comme interchange. Donc là, de tête, j'ai à peu près 60 000 roubles déjà. On va faire en direct, hein. Ouais, 60 000, à peu près, hein. 30 000. Ouais, 80, allez, 70 000. On va rester. Il n'y a plus rien. Il faut vraiment vous dire d'y aller YOLO, que si vous mourrez, c'est pas grave, c'est qu'un scav. Le but, c'est vraiment de rentabiliser le temps et l'argent. Il faut vraiment aller au plus vite possible. Donc là, une petite caisse au niveau du bunker avec le personnage PNJ qui est mort. Ok, on va dire 100 000. Allez, 115 000. Il faut vraiment rester très très peu de temps. Vous voyez voir, ça va être très rapide. Là, je vais directement faire le couloir office. Ouais, je fais les caisses, hein. Alors, on va dire 115 000 à peu près. Voilà. 135 000. Je sais pas combien ça coûte exactement. Là, on fait bien sûr le coffre. Ok, ça n'a pas été loot, donc ça c'est grosse chance, hein, ça fait partie d'une grosse chance. Ouais, 140, allez, on va dire 145 000. Vraiment pas rester longtemps pour rentabiliser à mort le temps. 45 000 pour l'instant, c'est pas dingue. Allez. Combien ça coûte? On va dire rester sur deux, allez, on va dire 150 000. Je sais plus combien c'est les euros. 50 000. Bien sûr, par rapport à la valeur actuelle, hein, du flip, tout ça. Je suis en diagonale, parce que si je vois que c'est vide partout, bah, tant pis. Hein. Allez, c'est bon, c'est vide partout, laisse tomber. Allez, maintenant, j'ai envie d'aller couloir de la mort. Là, on regarde bien s'il n'y a pas des cadavres par terre, que théoriquement les joueurs nous ont foutu sur la tronche. Et il y a pas mal de kills à faire. Donc moi, je vais couloir de la mort tout de suite. Voilà, il y a un joueur qui est mort là. Ok, il y a du mort. Et là, en fait, il va falloir looter les scavs, en fait. Il va falloir looter ses confrères très rapidement. Regarde. Et bien sûr, choper des trucs qui sont beaucoup plus intéressants. Vous voyez? Si vous pouvez tout prendre, prenez tout. En vrai, là, il faut vraiment tout monnayer. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Il n'y a rien de ouf là. Un pistolet. Que ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas. Allez, on va y aller. On va y aller vite fait. Ça va nous faire un tour de 45 secondes à peu près. Apparemment, il y a des joueurs qui sont morts ici aussi, mais là. C'est juste les deux manteaux. Là, on est sur du 150 000 à peu près, hein, 100, un peu plus, 180 000 maintenant avec le pistolet et le reste que j'ai ramassé. Ouais, voilà. Donc, voilà, on a à peu près 3 minutes. On est à peu près à 180 000. Des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer. Je vous invite à mettre une petite invitation, un pouce bleu, pardon. Tiens, regarde, encore. Ah, voilà. Là, par contre, c'est intéressant parce que là, c'est intéressant. Y a un mec qui va me tuer. Non. L'UMP, on va la prendre. Allez, on est sur du 200 000 à peu près.
Je peux pas mettre le... Check. Prends quelque chose dessus, l'autre. Oui, ils ont été dépouillés, les mecs. Hein. Voilà, il y a des casques. Allez, 220 000. Allez, tac, on prend ça, j'ai pas fait des poches. Voilà, on est à peu près sur du 220 000. Pouce bleu, abonnement, commentaire, partagez s'il vous plaît. Je vous remercie pour l'algorithme de YouTube, faut le défoncer. Ciao, banzai!